La marque Beurer s'est spécialisée dans la fabrication d'appareils électriques pour la santé et le bien-être. Mais si elle est déjà reconnue dans le monde très prisé de la relaxation, peut-on dire que son réveil Beurer WL50 a une longueur d'avance sur ses concurrents directs? Rien n'est moins sûr. D'un point de vue design, bien qu'il arbore une forme cylindrique plutôt moderne, son manque de finesse ne lui permet malheureusement pas de s'imposer auprès de ses rivaux. Par ailleurs, la présence de boutons poussoirs nous a semblé quelque peu démodée et la luminosité verte de l'écran d'affichage totalement désuète. Lors de nos tests, nous avons retrouvé ce sentiment de perfectibilité au niveau de l'éclairage, élément pourtant essentiel pour un simulateur. Certes, le Beurer intègre la technologie LED et présente une intensité de lumière blanche de 800 lux, mais pourtant, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que la qualité de la lumière n'était pas au rendez-vous, privant ainsi la fonction simulation d'un atout de taille. Sur le plan pratique, la simulation du lever de soleil est quasiment irréprochable. Pour l'activer, vous avez le choix entre deux mélodies, un bip sonore, la radio ou rien. Vous pouvez alors opter pour une durée d'aube entre 10, 20 et 30 minutes. Jusque-là, vous bénéficiez donc des mêmes avantages que ceux offerts par des modèles plus onéreux, et ce, même si la personnalisation est plus restrictive. Bien que la transition des couleurs soit assez fluide, surtout quand vous optez pour une programmation de 30 minutes, elle manque selon nous de nuances. Évidemment, ce bémol vaut aussi pour le mode crépuscule, qui suit la même variation de lumière mais dans le sens inverse, on part du blanc pour terminer vers le rouge. Pour autant, les réglages sont eux légèrement différents, puisque vous pouvez choisir de vous endormir au rythme de l'océan, de la radio ou de votre musique grâce à la connectivité Bluetooth et ou à la prise auxiliaire, câble inclus. Il vous suffit alors de programmer votre coucher de soleil pour qu'il dure 15, 30 ou 60 minutes. En plus d'offrir une simulation d'aube et de crépuscule, le Beurer W50 embarque toute une série de fonctionnalités qui sont elles aussi destinées à rendre le réveil et le sommeil plus agréables encore. Ce simulateur vous permet de régler jusqu'à deux alarmes et de bénéficier de toute la praticité du bouton snooze. Pour activer ce dernier, il vous suffit de taper sur le dessus du réveil. Lorsqu'aucune alarme ne retentit, ce petit geste vous permet d'accéder à l'option lampe de chevet, dont l'intensité peut être réglée sur trois niveaux, mais aussi à l'option lumière d'ambiance. En continuant à tapoter, vous profiterez d'une lumière bleue, verte, rouge ou d'une alternance entre toutes ces couleurs. Pour conclure, on peut affirmer que la performance du Beurer WL50 est à la hauteur de son prix. Il est clair que nous sommes ici bien loin de l'efficacité et de la qualité offerte par les modèles plus chers, mais néanmoins, ce simulateur se présente tout de même comme une solution complète et surtout très intuitive. Et voilà qui conclut notre test sur le Beurer WL50. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests sur les meilleurs simulateurs d'aube du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectus.eu.